la première explosion, beaucoup de bâtiments ont été soufflés, les vitres aussi ont été soufflées. Les citoyens réveillés brusquement étaient obligés de quitter Kaloum pour se diriger vers la banlieue ou du moins de chercher à quitter le centre-ville de Conakry. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. Il était 0 h passée de quelques minutes quand les premiers cas d'explosion ont été signalés ici à Kaloum. Et au moment où je vous parle, pratiquement, vous pouvez bien le constater derrière moi, il s'agit d'un incendie qui s'est déclaré au dépôt du carburant de Conakry, où l'importante partie du carburant de Conakry se trouve stockée. À la première explosion, beaucoup de bâtiments ont été soufflés, les vitres aussi ont été soufflées. Les citoyens réveillés brusquement étaient obligés de quitter Kaloum. Au moment où je vous parle, la protection civile s'active à éteindre le feu ou à chercher à circonscrire le feu, puisque les moyens ne permettent pas à cette unité de la police nationale de venir à bout de ces incendies. Vous pouvez bien le constater, l'ampleur des dégâts, il se trouve qu'il est très quasiment difficile ou impossible d'éteindre ce feu. Donc la protection civile se bat pour empêcher que le feu se propage vers la cité chemin de fer, puisqu'autour de ce dépôt de carburant, il faut le dire, il y a la maison centrale, il y a la cité chemin de fer, un quartier très rempli aussi n'est pas à négliger, il s'agit de Koronti. Beaucoup de dégâts matériels déjà enregistrés et on nous signale des cas de mort. Pour l'instant, vous avez vu entendre le directeur général de la protection civile, colonel Mohamed Camara, qui parle de ces opérations. Bon, pour le moment, je ne peux pas vous dire l'origine du feu, la cause effective. C'est le travail qui continue d'abord. Vraiment, c'est un grand feu, parce que c'est un feu hydrocarbure. Bon, on a circonscrit le feu. Donc, notre travail ici, pour le moment, c'est pour éviter la propagation vers les autres bâtiments. À sa suite, quelques citoyens ont pris la parole. Il s'agit du proviseur du lycée 28 septembre qui a aussi été retiré dans les décombres. Vous allez bien l'écouter. Sa vie n'est plus en danger, mais il a frôlé la mort. En réalité, j'ai dormi. C'est le bruit qui m'a fait réveiller. Et je me suis réveillé sous décombres. Le plafond, tout est tombé sur moi. C'est Dieu seul qui m'a sauvé. D'ailleurs, c'est les enfants qui sont venus me faire sortir. La seule chose que j'ai prise, c'est mon téléphone. Parce que ça, c'était à côté de moi. Pendant ce temps, les citoyens de Kaloum cherchent à quitter en masse. Beaucoup de maisons sont déjà fermées et c'est la psychose puisque personne ne sait ce qui se passe. Chacun y va de son commentaire. Les autorités militaires sont déjà mobilisées. Nous avons observé le chef d'état-major général des armées sur les lieux, le haut commandant de la gendarmerie nationale, le directeur général adjoint de la police, beaucoup d'autres responsables, le directeur régional. Ils se sont succédés, ils sont tous sur le terrain, chacun en ce qui le concerne joue son rôle dans l'aspect sécuritaire. Et pendant ce temps, les citernes aussi dans la cour du dépôt cherchent à quitter pour essayer de limiter les dégâts. Until I broke the rules, my